vous allez voir comment vérifier une page professionnelle afin de rendre confiance à vos clients potentiels et surtout avoir une meilleure position dans le fil d'actualité quand vous postez des informations. Pour cela, il faut cliquer sur Paramètres. Quand vous êtes sur Paramètres, vous avez une ligne qui s'appelle Vérification de la page. Si jamais elle n'apparaît pas, ça veut dire que le type de page n'est pas une type de page d'entreprise. Changez le type et vous verrez apparaître cette information. On clique sur Modifier. On clique sur Vérifier cette page. Il va demander un numéro de téléphone. Vous mettez votre portable, plus 33, ne mettez pas le 0, 06, 27, 57, 13, 19. Ok. Appelez-moi maintenant. Le téléphone va sonner. Voilà, on l'entend. Ceci est un appel de Facebook. Si vous n'avez pas demandé à recevoir un tel appel, vous pouvez ignorer ce message. Sinon, voici votre code de vérification. 2, 7, 1, 5. Je répète, votre code est... Voilà. Nous venons d'avoir le numéro de téléphone de Facebook, 2715. Je clique sur continuer. Et là, pour des réseaux obscurs, il y a une chance sur deux pour que ce soit fait automatiquement. Là, ça n'a pas été fait. Il va falloir envoyer pièce jointe, soit une facture, un permis d'exploitation, un cabis, enfin un numéro de registre de commerce, ce type d'information pour vérifier que votre entreprise existe. À ce moment-là, vous cliquez sur « Télécharger », vous allez chercher le document qui correspond, puis vous envoyez le document. Il n'y a plus rien à faire, vous attendez, hop. Et dès que c'est validé, il y a un petit V qui apparaît, comme ceci. Hop. Commit, et si je prends ici, vous allez avoir cette option qui va apparaître, page vérifiée. Et voilà.